ciel est la maison du Père, étincelante de bonté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons. Le nom auquel tout genou fléchit, sur la terre, dans les cieux, sur la terre. Le nom auquel tout le monde doit, soit élevé, soit magnifié. Que ce nom soit élevé au-dessus de tout nom. Et que ce nom fasse des miracles dans la vie des enfants. À l'invocation de ce nom, Seigneur, que les ennemis se dispersent. Que les démons prennent la fuite. Et que tout ce qui n'existait pas vienne à l'existence au nom de Jésus. Tu es glorifié, tu es élevé, magnifié. Ce soir, nous voici encore en ta présence, ô Père, pour écouter de toi, pour être édifié, afin que, Père, toi-même, tu nous conduises dans ce combat spirituel. Prends le devant du combat et remporte pour tes enfants la victoire au nom de Jésus. Amen. Merci, parce que j'ai l'assurance que ce soir, l'ennemi tombera encore. Amen. L'ennemi fléchira encore. Amen. L'ennemi sera anéanti. Et ton nom sera toujours élevé. Merci Père parce que j'ai l'assurance que tu agis déjà. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Vous asseoir pour Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Nous considérons ce soir le message qui a pour thème faire échec aux complots et plans des méchants. Faire échec aux complots des plans des méchants. Qui appelons-nous méchants? Que appelons-nous méchants? Les méchants, ce sont ceux qui se positionnent en ennemis de Dieu, en ennemis des enfants de Dieu. Il s'agit des esprits dans les lieux célestes, des esprits méchants qui sont sur terre. Ils sont dans les eaux, ils sont dans les forêts, ils sont dans les montagnes. Ces esprits qui rôdent partout. Ce sont ces esprits auxquels les hommes donnent un culte, célèbrent un culte. Ce sont ces esprits qui se retournent contre les hommes encore pour les combattre. Ce sont ces objets auxquels les hommes donnent le nom de Dieu et qui sont habités par des esprits qui tourmentent la vie des hommes. Et parmi ces méchants, il peut aussi y avoir des humains. Et il y en a toujours. Parce que le diable se sert toujours des humains pour accomplir ses desseins maléfiques. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Parce qu'il y en a qui sont inspirés par des esprits mauvais ou qui ont l'onction diabolique pour nuire aux autres, pour faire du mal aux autres. Et lorsque le diable ou le méchant voudra agir, il procède par complicité et par stratégie. C'est-à-dire, il va passer par quelqu'un, se servir de cette personne qui va aussi associer à d'autres personnes à ce plan, à ce projet, à ce complot, pour pouvoir l'exécuter. Mais ce soir, la parole te dit que tu as la force et l'autorité de faire échec à tous ces complots et à tous ces plans des méchants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Esther, au chapitre 9, verset 1. Esther, chapitre 9, le verset 1. Esther, chapitre 9, le verset 1. Il dit, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux,
ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Alléluia. Alléluia. Il y a un complot qui a été ourdi. Un plan qui a été ficelé pour faire périr, pour décimer les Juifs qui habitaient dans le royaume du roi Assuérus. Et la date fixée était le 13e jour du mois d'Adar. Le mois d'Adar qui est le 12e mois de l'année. Ce calendrier ne correspond pas à notre calendrier que nous utilisons. Alléluia. Mais ceci nous montre clairement que nous devons comprendre certaines réalités. C'est que lorsque nous nous approchons de la fin de l'année, les quatre derniers mois de l'année se terminent par alléluia. Septembre, octobre, novembre, décembre. Le complot formé contre le peuple de Dieu ici, ce complot a commencé depuis le premier mois. Tout a été conclu dès le troisième mois. Et c'était projeté sur le 12e mois. L'exécution devait avoir lieu le 12e mois. Le temps que les 120 provinces de l'Inde à l'Éthiopie soient toutes informées parce qu'il n'y avait pas des moyens de communication comme nous les avons aujourd'hui. Des courriers devaient partir à dos de cheval ou à pied ou par pirogue ou par radeau, etc., etc. pour arriver dans toutes les provinces. Donc il faut du temps. Et on a trouvé que le 13 Adar, comme on pourrait dire aujourd'hui, le 13 décembre, serait la période indiquée pour l'exécution de ce plan. Mais lorsque cette date était arrivée, à la date même, à la surprise générale de tout le monde, au lieu que ce soit les ennemis des Juifs qui dominent sur eux, c'était au contraire les Juifs qui ont dominé sur leurs ennemis. C'est ce que tu as compris, hein? Je dis, hein, lorsque la date est arrivée, à la surprise de tout le monde, au lieu que ce soit les ennemis des Juifs qui dominent sur eux, ce sont au contraire les Juifs qui ont dominé sur leurs ennemis. Amen. Le complot ou les complots et tous les plans que les démons, les esprits méchants de ta famille, les sorciers de ton village, ont ourdi contre toi pour cette fin d'année n'aura pas lieu. Amen. Cela n'aura pas lieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils espèrent te voir malade en cette fin d'année. Mais ils te verront debout bien solide. Amen. Ils s'attendent à te compter parmi les accidentés de cette fin d'année. Mais ils te verront debout et solide. Et de te voir allongé dans une caisse et qu'on te jette dans un trou, mais tu seras debout. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ce fut le contraire qui arriva. Non seulement toi tu seras debout, mais ce que eux ils complotent contre toi leur arrivera. Amen. C'est pas toi. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Amen. Je vais te montrer vers la fin du message que lui prend plaisir à ça. Amen. Et il exécute. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Si cela a pu arriver dans la vie des Juifs, cela arrivera dans notre vie aussi. Amen. Mais nous devons comprendre que cela n'est pas arrivé comme ça. Non, ce n'est pas arrivé comme ça. Il y a eu des préparations dans le lointain. Il y a eu des dispositions qui ont été prises et qui ont favorisé ce retournement de la situation. C'est pourquoi, comme tu m'écoutes ce soir,
Parce que tu dois prendre des dispositions pour pouvoir retourner toutes ces dispositions qui sont prises contre toi en cette fin d'année. Amen. Et si tu le fais fidèlement, tout ce qu'ils ont planifié contre toi, non seulement cela échouera, mais cela sera retourné contre eux. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais vous parler d'abord du complot et du plan contre le peuple de Dieu. Le complot et le plan contre le peuple de Dieu. Quel a été ce complot? Quel a été ce plan qui a été ourdi contre le peuple de Dieu? Lisons dans Esther chapitre 3. Esther chapitre 3, je vais lire à partir du verset 8. Du verset 8 au verset 10. Esther chapitre 3, verset 8 au verset 10. Il est écrit. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Vous voyez le complot. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos, ce peuple dispersé qui n'obéit pas à la loi du roi, n'a pas droit au repos, le complot. Il n'a pas droit à la santé, il n'a pas droit à la vie, il n'a pas droit à la prospérité, il n'a pas droit à la réussite. Voilà les complots qui se forment contre vous. Verset 9. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Voilà le complot. Voilà le complot même. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le complot est clairement défini, explicité, précisé dans ce verset 9. Roi accepte qu'on les mette tous à mort et moi je te donnerai beaucoup d'argent dans ton trésor. C'est comme ça qu'on forme les complots. Détruit telle personne, tue telle personne, ruine sa vie, ferme-lui les troncs pour qu'elle n'ait jamais d'enfant, rend le pauvre, perd sa main pour que lorsqu'il gagne de l'argent, l'argent ne lui sert à rien, ainsi de suite, et moi je te payerai. Le complot. Verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amenadab, la Gadite, ennemi des Juifs. Voilà. Donc ici, nous voyons celui qui est le comploteur. Il s'appelle Aman, fils d'Amenadab, la Gadite. Aman, la Gadite. C'est lui, l'ennemi des Juifs. Et il a réussi à gagner la confiance du roi à sa cause. Parce qu'il faut que cette lettre qui sera écrite soit scellée par le sceau du roi. Et le roi lui a donné le sceau. C'est l'anneau qui doit servir à sceller. Et toute lettre scellée par l'anneau du roi est irrévocable. Ce qui est dit, c'est dit, ça doit être exécuté. Rien ne pourra changer à cela. Versets 13 et 14. Versets 13 et 14. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Verset 14. Cette lettre renfermait une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitait tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Alléluia. Le complot est conclu et scellé. C'est annoncé. Et lorsque ce complot était annoncé, il y avait la consternation dans la capitale Suse. Il y avait des cris de lamentation.
dans les maisons des Juifs. Et Aman, qui a été élevé au rang du premier ministre dans le royaume d'Assyrus, a su profiter de sa position politique et sociale pour influencer le roi et le gagner à sa cause, en obtenant de lui un édit qui fasse périr les Juifs. Tout cela parce que lui, Aman, Dieu a donné le roi, qu'on le respecte, qu'on lui obéisse, et lorsqu'il passe, il faut que tout le monde fléchisse et se prosterne devant lui. Même Mardoché, qui est de la race juive, c'est qu'on ne se prosterne pas devant un humain, parce que la parole dans le livre de son Dieu dit que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Donc se prosterner devant un homme, c'est faire de cet homme un Dieu. Donc il respectait cette loi. Il ne fléchissait pas ce genou, il ne se prosternait pas au passage de Aman. Et Mardoché a été interpellé par les serviteurs du roi. Mais pourquoi toi tu n'obéis pas à la loi du roi quand Aman passe? Pourquoi tu ne fléchis pas tes genoux? Pourquoi tu ne te prosternes pas? Il leur a dit, moi je suis de la race juive. Alléluia. Et ils ont fait comprendre à Aman que Aman, chaque fois que tu passes, nous tous, nous fléchissons, nous nous prosternons, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Mardoché, lui ne fléchit jamais ses genoux. Et Mardoché a dit, oui, il ne sait pas que je suis le numéro 2 de ce royaume et que j'ai le droit de faire de sa vie ce que je veux. Il est parti voir le roi. Roi, il y a un peuple dispersé. Et vous voyez que le complot n'est plus dirigé contre Mardoché seul, mais c'est contre toute sa race, tout le peuple juif qui était dans le royaume, dans toutes les provinces. Et il a obtenu du roi l'autorisation de le faire périr parce qu'il a fait comprendre au roi que ce peuple ne tient aucun compte de ses lois, de ses décisions. Donc c'est un peuple rebelle, récalcitrant, têtu, insoumis. Et le roi dit, ah, si c'est comme ça, je ne suis pas en sécurité. Pour ma sécurité, il faut que ce peuple soit complètement anéanti. Il a dit, Aman, écris, je te donne ma signature, scelle ce que tu vas écrire et envoie ça dans toutes les provinces. C'est ce qui a été fait. Mais est-ce que ce complot pourra prospérer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre que ce complot contre Mardoché et son peuple n'est pas nouveau, ni le seul complot contre les enfants de Dieu. Les complots, lorsque nous rentrons dans l'histoire des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, les complots sont multiples, les complots sont vieux, les complots sont légion depuis que le monde existe. Toujours utilisé pour les enfants de Dieu. Vous savez que lorsque les enfants de Dieu, les descendants de Jacob étaient arrivés en Égypte et qu'ils se multipliaient, Pharaon a dit, empêchons les femmes des Hébreux de donner naissance aux garçons. Et il avait donné l'ordre aux sages-femmes que lorsque vous assistez une femme des Hébreux qui accouche et que l'enfant qui naît est un garçon, tuez-le! 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 Il a donné l'ordre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, ils ne tuaient pas les garçons. Alléluia! Et c'était dans ce contexte que Moïse était né. Sa maman l'a gardé pendant 3 mois, ne pouvant plus, craignant que l'enfant soit tué. Elle a fabriqué une caisse qu'elle avait enduite de poids. Il a mis l'enfant dedans et est allé le déposer sur le fleuve. Et sa sœur Marie était là en train de surveiller pour voir ce qui allait arriver à l'enfant, jusqu'à ce que la fille de Pharaon descende à l'eau pour se toucher, pour se baigner. C'est elle qui ira maintenant sauver Moïse
Le nom Moïse dit sauver des eaux. C'est un nom égyptien, c'est pas un nom hébreu. Moïse veut dire sauver des eaux. Il a sauvé l'enfant des eaux, il l'a mené dans le palais, il a nourri l'enfant, l'enfant a grandi dans le palais. Il a vécu dans ce palais pendant 40 ans. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez comment Dieu protège ses enfants. Non seulement Moïse a été sauvé, mais Moïse a été élevé et éduqué dans le palais du roi qui interdisait la naissance des garçons. Amen. Alléluia. Amen. Celui-là qui ne veut pas te voir, il te verra bien, bien, bien. Amen. Là, il ne veut pas te voir, c'est là où tu te tiendras. Amen. Alléluia. Amen. On ne voulait pas voir de garçons hébreux, mais Moïse a grandi dans son palais. Il mangeait de sa nourriture. Amen. Et il était reconnu comme fils de la fille de Pharaon. Ce Dieu qui fait ces choses est merveilleux. Amen. Il est puissant. Il est glorieux. Il accomplit. Nous pouvons aussi parler, je vais te citer deux complots. Le premier, c'est le cas de Moïse. Le deuxième, c'est le complot d'un homme appelé Achitophel. Un homme très sage, très inspiré. Il était proche de David. Et tous les conseils qu'il donnait étaient comme des révélations de Dieu qui ne manquaient jamais d'échouer. Mais il a basculé dans le camp de l'ennemi de David. Et là, il est parti comploter pour ôter la vie à David. Et quand la nouvelle est parvenue à David, David a dit, « Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. » Le conseil qu'il avait donné, qui était le bon, le meilleur conseil pour ôter la vie à David, ce conseil a été rejeté par Saül. Alléluia. Amen. Dieu a réduit à néant son conseil. Amen. Et c'était la fin d'Achitophel. Tous ceux qui ont de mauvais conseils contre toi verront leur conseil échouer. Amen. Et leur vie anéantie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre, bien aimé, que les complots de même aujourd'hui sont formés contre toi. C'est pour cela que tu dois être éveillé. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tu as besoin de la sobriété et de la vigilance pendant que tu vis dans ce monde. Parce que l'ennemi cherche toujours à détruire. L'ennemi cherche à abattre. Et c'est toi. Il nous avertit également que nous ne devons pas laisser l'avantage à Satan. Alléluia. Laisser l'avantage à Satan, c'est d'ignorer ses desseins. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous ne devez pas ignorer les desseins de Satan. Il cherche seulement à détruire. Pour lui, c'est la destruction qui l'intéresse. Détruire la jeunesse. Regardez aujourd'hui ce que la jeunesse est devenue. Impudique, drogué, ivrogne, cambrioleur, bagarreur, violent. Voyez ce que Satan fait des adultes aujourd'hui. Les femmes qui sont infidèles à leur mari, les maris qui sont infidèles à leur femme, les enfants qui sont insoumis aux parents, les parents qui n'ont aucun souci des enfants. Et vous pensez que ce sont des hommes qui font ça? Oui, ils le font sciemment. Non, c'est le diable. C'est le diable. Toi, chrétien, tu dois savoir ça. Sur la destinée de l'ennemi que tu ne dois pas ignorer. Alléluia. Sachant que l'ennemi forme des complots, nous avons besoin, nous,
de connaître les informations, de savoir traiter ces informations. Tout comme Mardoché a eu l'information du complot d'Aman contre lui et toute la race juive, nous devons aussi recevoir les informations. Alléluia. C'est pourquoi je parle du deuxième point, la collecte et le traitement de l'information. Je reprends, la collecte et le traitement des informations. Collecter les informations et les traiter. Mardoché a pris connaissance du complot que Aman formait contre lui et son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut qu'il traite maintenant cette information. Pour traiter l'information, il s'est mis dans une position de jeûne. Il a porté le sang. Et il poussait de grands cris de gémissement. Il est allé jusqu'à la porte du palais. Et il criait là-bas. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, verset 1 et 2. Esther chapitre 4, verset 1 et 2. Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amères et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Mardoché est toujours dans sa désobéissance. Il était interdit à toute personne revêtue d'un sac de s'approcher de la porte de la maison du roi. Mais Mardoché, lui, il était revêtu de sac, le corps couvert de cendres, et il est allé jusqu'à la porte du palais royal. Alléluia. Amen. On dirait que Mardoché était fou. Oui. Parce qu'il faut bien traiter dans l'information. Il était dans le traitement de l'information qu'il a reçue. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il devait aller plus loin. Voyons le verset 6. Verset 6 à 9. Attaque se rendit vers Mardoché. Attaque, c'est l'un des ennemis qui était avec la reine Esther. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Amen avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Verset 9. Attaque vient rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Alléluia. Si Mardoché ne s'était pas revêtu de sac et couvert de cendres, poussant des cris pour aller jusqu'à la porte du palais royal, Esther n'aurait pas appris ce qui se passait à la porte du roi ou bien à la porte du palais pour envoyer son serviteur auprès de lui pour s'enquérir de ce qui se passait. Alléluia. Il y a des moments où il faut se rendre fou pour se faire entendre. Alléluia. Et Mardoché s'est rendu fou pour être entendu. Versets 13 et 14. Mardoché fit répondre à Esther. Mais t'imagines pas que tu échapperas seul dans tous les jours. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Alléluia. Mardoché, après avoir tout expliqué, il a envoyé ce message piquant à la reine Esther pour lui faire comprendre que si tu te tais, le secours viendra pour les Juifs. Parce que Mardoché connaissait son Dieu. C'est pour cela que dès qu'il a pris la nouvelle, pour la traiter, il s'est humilié devant Dieu en se couvrant le corps de cendre et en se revêtant de sac. Il a dit, Esther, n'oublie pas que tu es juive, ne dis pas que parce que tu es la femme du roi, que toi tu seras épargné, que toi et ta maison vous serez épargné. Hein? Ah non, mais si tu te tais, nous serons secourus, les juifs seront secourus, nous serons délivrés, mais tant pis pour toi et la maison de ton père. Gloire à Dieu. Esther a reçu le message. Verset 15.
envoyé dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et puis tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Mardochée a compris que là où c'est, comment Esther plutôt a compris que là où c'est arrivé, il faut voir le roi. Mais voir le roi sans convocation, c'est que tu es mort. Et que personne ne pouvait se présenter devant le roi s'il n'a été invité. Donc si tu fais intrusion auprès du roi, c'est ta tête qui paye. On te tue. Mais Esther a dit, depuis 3 jours, je n'ai pas été invité. Je ne suis pas allé devant le roi. Mais ce que nous pouvons faire, jeûner pour moi, moi et mes servants, nous allons aussi jeûner pendant 3 jours, sans boire ni manger. Et j'irai chez le roi le 3e jour. Mardochée a compris que oui, la solution était en train de venir. Il a rassemblé le peuple, il a informé tous les Juifs, et tous ont jeûné et prié. Et le 3e jour, Esther s'était présentée devant le roi. Chapitre 5. Après du verset 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha. Et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est à l'œuvre. Le 3e jour du jeûne, Esther s'est rendue chez le roi. Sans invitation. Dès que le roi l'a vu, son cœur a fait. Alléluia. Oh, ma beauté. Ma belle, tu es là. Approche-toi. Alléluia. Amen. C'était sa femme depuis de 30 jours. Il ne l'avait pas invité. Dès que le roi dit, oh, ma beauté, approche-toi. Voici le sceptre. Donc, touche. Parce que quand tu tends le sceptre, c'est que tu as autorisé à t'asseoir devant le roi et à lui parler, ou à côté pour lui parler. Ainsi, la reine a touché le sceptre et elle a parlé. Et avant qu'elle ne parle, qu'est-ce que le roi dit? Que veux-tu? Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié du royaume là que tu veux aujourd'hui là, je te la donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est la moitié du royaume, c'est pas Esther qui l'a fait, hein? C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Alléluia. Amen. Un roi qui est prêt à diviser son royaume en deux. Esther a dit non, je n'ai pas besoin du royaume. J'ai préparé de la nourriture. Je veux que tu viennes manger aujourd'hui chez moi. Alléluia. Amen. Esther a continué. Mais viens avec Aman. Monsieur, c'est Aman le numéro 2. Viens avec lui. Le roi ne savait pas ce qui était dans le cœur d'Esther. Et aussi le roi envoie le message à Aman. Et Aman s'est présenté avec lui à ce festin. Lisons le chapitre 7. Chapitre 7, je lis du verset 1 au verset 4. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, ça c'est la deuxième fois. La première fois, ils ont mangé. Esther n'a rien dit. Il a dit non, si le roi le trouve bon, revenez encore demain manger. J'aime te voir manger chez moi avec Aman. Viens, venez. Venez encore demain, revenez manger. Je vais être encore préparé. Je vais être mieux préparé qu'aujourd'hui. Vous allez bien manger demain. Alléluia. Amen. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Il a encore répété la même chose. Ce qui voudra dire que le roi a tellement aimé la nourriture qu'il était devenu fou. Il a perdu la tête.
le roi a perdu la tête. La reine Esther répondit, verset 3. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Ce n'était qu'à cette invitation que Esther a décliné sa demande. Verset 4. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Et le roi dit, non, reine Esther, tu viens de dire quelque chose de grave. Il s'est pour être vendu, devenir esclave, là, c'est rien du tout. Mais le dommage, là, l'ennemi ne saurait jamais le compenser au roi. Qu'est-ce que tu veux dire, reine Esther? Esther devait continuer. Roi, ce que moi je dis là, ce n'est pas de l'amusement. Le roi est le verset 5. Le roi se risque la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, verset 6, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. La bonne nourriture qu'il a mangée était devenue amère dans son ventre. Je pense qu'une grosse diarrhée l'avait pris là-bas, mais il a dû fermer les fesses fort, serrer dur, pour ne pas gaspiller la fête. Un vertige l'a pris, la tension était montée aussitôt. Reine, qu'est-ce que tu dis là? Il a bien dit, ce méchant-là, c'est Aman. Elle n'est pas passée par quatre chemins. Elle a dénoncé devant le roi, devant lui-même. Alléluia. Et vous pensez que le roi va rester indifférent? Le roi ne pourra pas rester indifférent. Le roi ne pourra pas rester indifférent. Voyons la suite. Chapitre 3, et chapitre 8, autant pour moi. Chapitre 8. Chapitre 8. Chapitre 8, j'ai lu du verset 3 au verset 6. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Et elle supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gadite et la Russie de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, il se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrit pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedada, la Gadite, et écrites pour lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Alléluia. Alléluia. Mais avant d'en arriver ici, c'est que Aman déjà, lorsque la colère du roi était montée, Aman voulait supplier la reine Esther pour demander grâce de vie. Mais la position dans laquelle le roi l'a retrouvée, parce que pris de colère, le roi était sorti pour aller dans le jardin. Lorsqu'il est revenu, la position dans laquelle il a trouvé Aman face à la reine Esther a fait multiplier sa colère par X. Et alors, il a donné l'ordre qu'on le tue. Harbona dit, mais roi, Aman même a préparé un poteau long de 11,25 mètres environ pour pendre Mardoché. Quand le pend à ce poteau, le roi dit, allez, pendez-le. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été pendu. Maintenant, qu'est-ce que le roi et la reine demandent? Elle demande qu'on écrit. Parce que l'auteur du complot est mort, même la lettre qui est écrite est là. Amen. Irrévocable. Il faudrait annuler la lettre là et donner un autre droit aux Juifs. C'est ce que la reine Esther a demandé. Amen. Dans le chapitre 8. Et le roi a cédé. Je vais aller rapidement. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que nous devons savoir collecter les informations. On doit aller à la bonne source pour avoir les informations. Le Mardoché a reçu les informations. Il a même la preuve, c'est-à-dire la lettre
Il a reçu une copie de la lettre. Ça lui a permis d'agir. Les chrétiens aujourd'hui sont passifs, sont ignorants, sont naïfs, sont négligents. Vous écoutez des informations qui ne vous disent rien. Vous êtes indifférent. Vous ne vous en souciez pas. Vous ne savez pas que ce sont des informations à traiter. Mais vous êtes l'indifférent. Vous allez dire, mais quelle information? Les rêves que tu fais, tu les négliges, tu les ignores. Tu ne fais aucun effort de traiter ces rêves. Ce sont des informations que Dieu te donne dans tes rêves concernant les esprits familiers, concernant les démons, concernant les complots. Et tu es là, indifférent, tu ne t'en soucies pas. Et il y en a qui ont la tête tellement fermée que quand ils dorment, ils ne font aucun rêve. Ils ne rêvent même pas. Il y en a qui ont la tête passive. Ils font le rêve. Quand ils se réveillent, ils oublient tout. Dieu vous parle, vous négligez. Si Mardoché avait négligé l'information, le trait du mois d'Adar, tous les Juifs auraient été tués. Il n'a pas négligé. C'est ce que vous devez comprendre. Il ne faut pas négliger les informations. Alléluia. Amen. Ne négligez pas les informations. Le temps me manque pour rentrer dans les détails. Troisième point rapidement. La confiance et le retournement de la situation. La confiance et le retournement de la situation. Ici, la confiance, c'est la foi. C'est la foi. La foi en Dieu. La confiance en Dieu. L'assurance en Dieu. Tu dois avoir la confiance en Dieu. Vous savez, cette confiance en Dieu a amené la reine Esther a demandé à Mardoché et à tous les Juifs de la capitale de jeûner pour elle. Et ce jeûne de 3 jours qu'ils ont fait les a conduits dans tout le processus du début à la fin. C'est grâce à ce jeûne que la demande de la reine Esther a été acceptée. Celle qui consiste à annuler l'édit, le premier édit, et à leur donner le droit de se venger. C'est parce qu'ils avaient jeûné. Un, le jeûne a permis que le roi soit touché, que le roi se montre disponible. Alléluia. Et Esther a pu l'inviter au festin qu'elle avait préparé. Le roi était accessible, disponible, était favorable à toute demande que la reine Esther lui adressait. C'est grâce à ce jeûne de 3 jours. C'est grâce à cette confiance. Nous devons savoir faire confiance à notre Dieu. Alléluia. Il y en a qui ont le cœur rempli de doutes. Même quand ils prient pour une situation, dès qu'ils disent Amen, ils commencent à douter même de la prière. C'est très malheureux. C'est pourquoi vous êtes là, les problèmes sont là, rien ne change. Il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi et savoir compter sur Dieu. Voyons, je vais encore lire. Esther chapitre 7. Versets 6 à 10. Je vais prendre là. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voilà le visage d'Haman. Et Arbonan, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Haman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman. À une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pend Haman. Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'appelle comment? Le retournement de la situation. Ça, ce n'est que le début. Ça, c'est l'auteur qui a été éliminé. Ce n'est pas tout. Lorsque nous revenons dans le chapitre 8, du verset 7 au verset 8, il dit, le roi Assuré dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les juifs. Écrivez donc en faveur des juifs
comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez la grande faveur dont Esther et Mardoché ont bénéficié auprès du roi. Maintenant, Esther lui écrit, ce qu'il veut en faveur des Juifs. Versets 11 et 12. Parce que le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuris, le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar. Alléluia. La nouvelle qui a été écrite, c'est que les Juifs soient debout le même jour, le 13e jour du mois d'Adar, pour s'attaquer à tous les ennemis, à tous leurs ennemis qui prendraient des armes contre eux. Ils ont reçu le pouvoir. Et à cette demande, à cette lettre-là, vous savez ce qui s'est passé? Tous les hauts fonctionnaires du roi, les préfets, les gouverneurs, les magistrats, tous se sont alignés sur les Juifs. Et parmi les peuples qui étaient là, ceux qui ont compris, ils s'étaient fait juifs le même jour pour s'ajouter aux Juifs. Et ils ont pris les gens, ils sont tenus aux côtés des Juifs. Ils ont dit, aujourd'hui, nous sommes juifs, nous allons tuer nos ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'ils voyaient le danger s'approcher. Et il faut se convertir, il faut changer sa position le jour-là. Et le chapitre 1 nous a dit que ce que tout le monde attendait n'a pas eu lieu, mais c'était le contraire qui s'est produit. C'est que les Juifs s'étaient rendus maîtres de leurs ennemis. Je vous invite à aller lire tout le livre d'Esther chez vous cette nuit avant de dormir. Lisez ça avant de dormir. Vous allez voir la grandeur de Dieu. Ils ont massacré. Ils ont détruit. Dans la capitale, en ce jour-là, les Juifs avaient tué 500 de leurs ennemis. Et le soir, la reine est allée faire le compte rendu au roi. Et le roi dit, mais est-ce que ça te suffit ou que tu en veux encore? Elle dit, mais roi, donne-moi encore la journée de demain. Ils sont retournés, 300. Et ils ont dit, bon, ça suffit. Dans les provinces, c'est des milliers qui étaient tombés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je m'en vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce passage dans la Bible. Hein. Je vais te lire ça, nous allons prier. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 6. Qui dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Oh. Il dit, hein, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est de ma justice? Est-ce que c'est de ta justice? C'est de la justice de Dieu. Alléluia. Il a fait aux Juifs. Ça, c'est l'ancien temps. L'histoire nous est racontée dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la grâce nous dit que c'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Amen. Quelqu'un qui veut que toi tu n'auras la paix, il n'aura pas la paix. Amen. Quelqu'un qui veut te voir malheureux sera malheureux. Amen. Quelqu'un qui veut te rendre fou sera fou. Amen. Quelqu'un qui te rend malade sera malade. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui veut que tu meurs mourra. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas te lever ce soir, bien aimé. Tu vas te lever et remercier le Seigneur. Bénis le roi des rois. Glorifie le Dieu tout-puissant. Magnifie l'Éternel. Et exalte-le. Parce qu'il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les situations. C'est lui qui réduit à néant les complots des ennemis. Élève la voix et bénis le Dieu tout-puissant ce soir. Lui qui a délivré les chefs dans le royaume d'Assurus. Lui qui les a délivrés.
en leur livrant leurs ennemis. Et ils étaient rendus maîtres d'eux. Il est avec toi. Il dit dans Esaïe chapitre 54, verset 15. Donc lorsqu'on tournera un complot, cela ne viendra pas de moi. Le Seigneur ne sera jamais complice de tes ennemis. Il n'acceptera jamais le complot des ennemis contre toi. Mais lorsque le complot est formé, il est là pour le détruire. Il est là pour l'anéantir. Bénis ce roi et magnifie-le. Exalte-le et adore-le. Alléluia à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui n'es jamais dans les complots de nos ennemis contre le papa de vos yeux. Mais lorsqu'ils forment les complots dans ton courant, tu les détruis, tu les décides, tu les réduis à néant ce qu'ils avaient. Et toi qui as dit, papa de vos yeux, il est juste de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent, au Père Tout-Puissant. Toi-même, tu vois ceux qui nous affligent, ceux qui nous causent de l'affliction, papa de vos yeux, et tu traiteras avec eux dès ce soir dans le nom de Jésus. J'ai l'assurance que tu le feras, parce que tu es Dieu. Si tu as délivré Mardoché, Esther et tous les juifs, papa, de la main de leurs ennemis, non seulement tu l'as délivré, mais tu as fait périr ses ennemis qui ont voulu les faire périr, tu nous sauveras aussi. Et que papa du Dieu, tout ce que l'ennemi complote contre nous, tout ce que les ennemis complotent contre papa du Dieu, leur sera retourné. Car c'est ta justice de rendre l'affliction à ceux qui affligent tes enfants. Gloire et honneur te soient rendus. Alléluia, ton merveilleux nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu de mettre sur toi son sceau. Le sceau, c'est la marque par laquelle je te reconnaîtrai que tu es son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Je te reconnaîtrai que tu es son enfant. Et alors, lorsque quelqu'un forme un complot, il va annuler le complot. Amen. Lorsque quelqu'un cherchera à t'affliger, Dieu même va l'affliger. Amen. Prie et demande à Dieu de mettre sur toi son sceau. Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Sur ton front, le sceau de Dieu sur ton front, réclame le sceau de Dieu sur ton front, réclame le sceau de Dieu sur ton front, réclame le sceau de Dieu sur ton front, sur ta poitrine, sur ta main, sur le dos de ta main, sur ton pied, sur tes pieds, sur tes pieds, réclame le sceau de Dieu. Que le Saint-Esprit te marque, que le Saint-Esprit te marque en ce moment, que le Saint-Esprit te scelle en ce moment. C'est lui qui nous scelle, c'est lui qui fait de nos enfants de Dieu. C'est lui qui parle en notre faveur. Demande au Seigneur de mettre sur toi ton sceau, afin que l'ennemi ne puisse pas te voir, mais que Dieu te voit. Et lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu te reconnaît, comme étant son enfant, lorsqu'on formera le complot, il est là pour détruire ce complot. Parce qu'il dit dans un chapitre 54, verset 15, que lorsqu'on formera des complots, cela ne viendra pas de lui. Il ne sera jamais dans, dans les conseils de nos ennemis. Il ne sera jamais dans leur complot. Demande à Dieu de te marquer par son sceau. Seigneur Dieu, marque ton peuple par ton sceau. Marque ton peuple par ton sceau. Au front, à la poitrine, sur le dos des mains, sur le dos des pieds. Marque-les sur les pieds. Marque-les, mon Dieu, mon rocher, afin que tu les reconnaisses en tant que tes enfants. En tant que tes enfants. En tant que tes enfants. Pour que Seigneur Dieu, tu ne sois jamais victime des complots de l'ennemi. Et lorsque Père de gloire, tes affligeurs chercheront à les affliger, que tu leur retournes l'affliction au nom de Jésus. Parce que ta parole nous dit qu'il est de la justice de Dieu. Il est de ta justice de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Ô Père, tu es fidèle. Tu es merveilleux. Tu l'as fait pour ton peuple dans le royaume d'Assyrus. Et toi, tu es le même hier. Aujourd'hui, éternellement, Seigneur Dieu, mal tes enfants par ton sceau au nom de Jésus. Reçois la gloire parce que j'ai l'assurance que tu nous as exaucé. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Tu vas prier ce soir. Bien-aimé. On va faire quelque chose. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas faire une prière de foi. Tu vas dire, Seigneur, disperse tous ceux qui complotent contre moi en cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Et que tu réduises à néant tout leur complot au nom de Jésus. Et laisse la voix le Seigneur. Ce n'est pas cette prière qui disperse les comploteurs. Ce n'est pas cette prière qui disperse tes ennemis. Une prière fervente. Une prière de feu. Une prière de chaleur. Une prière dynamique, une prière vivante, une prière efficace, une prière de foi. Prie maintenant, demande à Dieu de disperser tout.
Satan est sur eux pour les disperser, pour les renverser. Qu'il les foudroie, qu'il les disperse, qu'il les renverse. Qu'il soit dispersé, qu'il soit renversé, qu'il soit réduit à néant. Quel que soit l'endroit où il se rassemble, que ce soit au fond de la mer, que ce soit dans le pandémonium, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans les montagnes, que ce soit dans les rivières, que ce soit dans les lacs, dans tous les coudes possibles, dans les carrefours, sous les arbres touffus, quand ils se rassemblent, que Dieu les disperse, que la foudre de l'éternel retentisse sur eux, et les disperse, et les renverse, et les décime, et les anéantisse, au nom de Jésus-Christ. Pré. C'est le moment. C'est pas avec ton sang qu'ils feront le compte rendu à Satan en cette année. Ce n'est pas avec ton sang. Ce n'est pas avec le sang de tes enfants. Ce n'est pas avec le sang de ton mari. Ce n'est pas avec le sang de ta femme. Ce n'est pas avec le sang des membres de ta famille. Mais ils s'aligneront de leur propre sang et se rassembleront de leur propre chair. Dis la parole. Tes ennemis s'aligneront de leur propre sang et se rassembleront de leur propre chair en cette fin d'année. Tu ne seras pas leur victime dans les accidents de la route. Tu ne seras pas leur victime dans les maladies. Tu ne seras pas leur victime de la morsivite. Tu ne seras pas leur victime de l'arrêt cardiaque. Tu ne seras pas victime de l'hypertension. Tu ne seras pas victime du diabète. Tu ne seras pas victime de tous les complots. Tu ne seras pas leur victime. Tu ne seras pas leur victime. Tu ne seras pas leur victime. Que ce soit les esprits de la famille, les démons de la famille, les sorciers de la famille, que tous soient dispersés, que tous soient renversés, que leurs hôtels qu'ils ont dressés autour duquel se retrouvent soient foudroyés et réduits. Que ces hôtels soient foudroyés et brisés, que ces hôtels soient foudroyés et détruits. Que les forteresses dans lesquelles ils tiennent leur réunion soient détruites. Que ces forteresses soient détruites. Que ces forteresses soient détruites. Au nom de Jésus-Christ. Tout un projet contre toi sera sans effet. Tout un projet contre toi sera sans effet. Une église, lui rassembler les âmes pour leur prêcher. Les sorciers de la ville ou du quartier sont rassemblés. Et ils ont envoyé un vent, le vent soulevé la toiture de l'église pour les jeter dans le lac. Quand il a vu ça, il a dit, Seigneur, ceux qui m'ont envoyé ça, je le leur renvoie au nom de Jésus. Alléluia. Et puis il y a eu une pluie dans la ville. C'était la catastrophe. Alléluia. Les journaux ont parlé. À la télévision, à la radio, dans les presses écrites, on a dit, il y a un homme de Dieu qui est arrivé qui veut tuer les Tchadiens. Il a envoyé la pluie. Il a détruit leur maison. Il a tout emporté. Beaucoup de commentaires ont été faits. Alléluia. Amen. Son Dieu n'est pas différent de notre Dieu. Amen. Son Dieu n'est pas différent de notre Dieu. Amen. C'est le même Jésus. Amen. Devant qui tout genou fléchit. Que nous aussi nous adorons. La parole de Dieu dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Tu vas prier maintenant. L'affliction que l'ennemi t'envoie pour qu'il prépare contre toi, renvoie-la lui au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il prépare, renvoie-lui cela au nom de Jésus-Christ. Que cela
autant sur lui. Oui, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ce qui vous afflige. Tout ce qui prépare contre vous à cette fin d'année, que cela soit le partage, que cela soit le héritage, que cela soit le droit. Toi-même reçois cela. Quelque soit ce qui prépare, l'affliction qui prépare contre les enfants de Dieu cette fin d'année, Père, je leur retourne cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où ils sont, que cela retourne sur eux. La maladie, les accidents, les crises, je leur renvoie cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun enfant de Dieu ne sera victime. Aucun enfant de Dieu ne sera victime. Aucun enfant de Dieu ne sera victime. Mais nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et loi te soient rendues. Adoration à ton merveilleux nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et là-bas, remercie le Seigneur. Bénis le roi des rois parce qu'il nous aide aussi. Glorifions le Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a accompli. Seigneur Dieu, tu es digne de louange. Reçois la gloire parce que tu l'as accompli. Gloire et loi te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Mais je vais vous exhorter à continuer dans cette prière. Vous avez pris note, revoyez le message. Ou réécoutez-le. Je vais le poster par la grâce de Dieu. Ici, demain matin, ce sera prêt sur YouTube. Téléchargez, écoutez et priez encore. Priez et priez encore. Priez et priez encore. Parce que nous avons encore 2 mois avant d'arriver dans l'année 2024. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, sois élevé, sois magnifié. Reçois la gloire, toi qui as délivré le peuple juif dans le monde d'Assyris. Tu es le même hier, Dieu éternellement. Tu es prêt à nous délivrer et à rendre l'affliction à ceux qui nous affligent, tout comme tu as affligé les ennemis des Juifs dans le royaume d'Assyris. C'est pourquoi je prie ce soir que tu marques tes enfants de ton sceau afin de les reconnaître en tant que tes enfants, de les délivrer des afflictions, de rendre l'affliction à tous ceux qui les affligent au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous détruisons tous les hauts lieux, les sorciers, des esprits méchants, les puissances maléfiques qui complotent contre nous en union avec des humains, Papa du bout des cieux, que dans leur rassemblement, ta foudre les frappe et les neutralise au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient renversés, que tous les autels autour desquels ils se rassemblent soient foudroyés et réduits à néant au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans la mer, qu'un feu soit déclenché, un incendie soit déclaré dans le fond marin maintenant pour tout consumer au nom de Jésus-Christ. Dans le ciel, Papa, au deuxième ciel, dans le royaume de la reine du ciel, Père, que l'incendie soit déclaré maintenant pour tout détruire au nom de Jésus-Christ. Dans les montagnes, dans les forêts, dans les carrefours, surtout tout en vert, où ils se rassemblent. Ils ont leurs hôtels, ils ont leurs porteurs, Père, que la foudre de l'éternel les frappe et les neutralise et ravette tous les porteurs et tous les hôtels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute affliction préparée contre tes enfants, mon Dieu, mon rocher, leur soit retournée au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, aucun de tes enfants ne sera victime de leur complot au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, protège tes enfants. Amen. Et sois le Dieu de justice pour tes enfants, contre leurs ennemis, contre ceux qui les affligent. Merci parce que je crois que tu nous exaucés. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.